Bon, ben voilà, hein, on va pouvoir commencer direct sur Shoulder Red. Bon, pour l'instant, hein, je débute, il n'y a personne, mais j'espère que vous arriverez bien vite. Et ben, on va commencer un petit peu, on va se lancer une nouvelle partie et je vais passer par la création, le personnage. Hop là, j'ai déjà une partie qui se passe plutôt bien, alors j'ai quasiment rien touché, j'ai vraiment laissé pratiquement de base. Et bah c'était plutôt sympa. Du coup, on va passer à un emplacement vide que je vais garder pour vous. Et on va pouvoir y aller direct. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu le son du bureau. Voilà, vous me direz si jamais il y a besoin de monter un peu plus le son. Voilà. Alors, personnaliser la famille. Donc, dans Shattered, on va s'occuper d'une famille. Et de base, elles sont composées de deux parents et de deux enfants. Il va falloir un petit peu choisir des traits spécifiques à l'un ou à l'autre pour essayer de s'en sortir. Alors, attendez 2 secondes, je vais juste toucher un paramètre. J'espère juste que je vais pouvoir le toucher. Hop là. Parce que j'ai des pertes d'image, donc je baisse en temps réel le flux pour essayer d'avoir moins que ça, parce que là pour l'instant je suis quand même à 13% d'image perdue, c'est pas cool. Donc je l'ai baissé, ça devrait se calmer. Ouais, c'est bon, ça descend, j'arrête d'en perdre. Ma connexion est pas au top. Bon voilà, on avance. Alors Sheltered, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de... J'avais fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, War, This War of Mine. Bah, c'est vraiment le même principe. On va devoir gérer notre camp, sauf que dans This War of Mine, c'est dans la guerre, et alors que là, c'est dans une catastrophe post-apocalyptique, peut-être même nucléaire, et donc on va devoir gérer tout ça. Allez, je vais faire mon personnage, donc Egazo, et on va donc en gardant un homme. Hop là, j'aime bien couleur de la peau. Je suis pas du tout bronzé en vrai, mais bon, je me mets pseudo bronzé. Voilà. Type de tête. Ah, ça me ressemble plus. Type de corps. Ah, c'est classe comme ça. Jambes. Ouais. Traits. Petit mangeur. Non. Bah alors, par contre, je connais pas les traits exacts. Ah, bah, ils sont marqués. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Alors, en termes de traits, qu'est-ce qu'on a? Petit mangeur, les rations de nourriture soulagent davantage la faim. Courageux, les deux premières attaques lors d'une attaque pour tuer toucheront la cible. Gros dormeur, la fatigue diminue plus vite en dormant. Proactif, se déplace plus vite dans l'abri et lors des phases d'exploration. Ok. Habile, fabrique et répare plus rapidement. Alors ça, je vais le garder pour les enfants, habile. Accumule le stress plus lentement, meilleure chance de récupérer des éléments lors de démontage des objets. La saleté augmente à un rythme plus lent. Ok, c'est cool. Les rations de nourriture soulagent moins la faim. Ah. Bah pourquoi, gros mangeur? Ah, par rapport à l'autre truc. Ok, j'avais pas compris. Là, je peux ne pas être prêt à l'attaque pendant un combat. Manque un tour. Petit dormeur, la fatigue diminue moins vite en dormant. Paresseux se déplace plus lentement dans l'abri et lors des phases d'exploration. Maladroit fabrique et répare plus lentement. Accumule le stress plus rapidement. Chance réduite de récupérer des éléments lors du démontage. Manque d'hygiène. Ok. Alors, je savais pas. Courageux, soucieux. Oh, d'accord, on comprend bien le truc. Donc, j'avais dit que je voulais quoi à l'origine? Je préférais quoi du coup? Je préfère. lui, il va partir. Ah,
Diminue plus vite en dormant. Premières attaques. Du coup, au début, c'est surtout la bouffe qui peut être un problème, même si moi, ça a été l'eau, mais en milieu de partie. Donc, je vais le mettre en petit mangeur. Petit mangeur. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir? Lui, ça va plutôt être mon combattant. Donc, je vais choisir un Force Dex Perception Intelligent. Soucieux. Non, je préfère le violent. Ouais, je préfère le violent. Donc on va lui mettre violent. Voilà. Maintenant on va passer à Liaz. Et oui, hein, parce que c'est ma femme. Donc on en profite. Liaz. Donc oui, c'est une femme. Hein. Il n'y a pas de violet. Bon bah mauve. Hein. Non, comme ça, couleur de la peau. Voilà. Hop là. Type de tête. Voilà. Classe comme ça. Voilà. Optimiste. Fabrique et répare plus rapidement. Plein de ressources. Ouais, je sais pas trop. Les deux premières attaques, ration, nourriture, soulage. Là, ça va un peu dépendre, mais je sais pas trop si je choisis. Ouais. Je vais choisir plutôt proactif pour les deux enfants qui vont rester régulièrement. Mais s'il doit, elle doit partir, sortir de la brie. Je sais pas si je choisis petit mangeur aussi. Ouais, petit mangeur. Allez. Petit mangeur. Et à ce niveau-là, Dex charisme, intelligence. Non, il va me falloir un peu plus de charisme, intelligence et perception. Ça, j'aime bien. Voilà, peu de force, peu de dextérité, c'est pas le but. Et intelligence, charisme, perception. Oh là, par contre, pour les enfants, j'ai pas choisi. On n'en a pas, donc on peut pas donner les noms de les nôtres. Hein. Ouais, je vais choisir un truc en aléatoire qui me plaît. Pichu! Marcus. Tiens, Joseph, proactif. Ouais. On va changer son nom, on n'est pas obligé de garder le nom. Hein. Mais il est proactif, j'aime bien le visuel. On va changer les stats. Un petit je sais tout. Ouais, je vais lui mettre avec toutes tes stats au même niveau, c'est bien comme ça. C'est toi qu'il fallait mettre, je sais tout. Et qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme nom? Ouais, bon, allez, on laisse Joseph. Et Martha. Toi, tu veux Amélia. Amélia, voilà.
Pareil, proactif, parce qu'ils resteront surtout dans la maison. Et je vais mettre aussi, je pense, un jeu, c'est tout. Comme ça, au moins, toutes les stats sont équivalentes. Et puis voilà, on verra bien. Voilà. Alors, nom de famille. Ah. Ouais. Nom de l'animal de compagnie. Animal de. Ah, il y en avait plein. J'ai pas regardé. Ouais, tiens. Pixel. Pixel, vu que c'est le nom de notre chat. Et bizarrement, quand j'ai parlé d'un animal de compagnie, il est arrivé. Et on va mettre un chat. Voilà. Il chasse les rats. Même si j'en ai pas eu souvent, ça peut être utile. Le chien aurait pu être intéressant aussi, mais. Mais. Ouais. Ou le chien, mais le problème c'est qu'il faut le nourrir tous les jours, quoi. Pourquoi le chat, non? Non, tous les 2 jours. Il doit être nourri quotidiennement, mais tu peux l'emporter pendant les chasses. Non, je vais garder le chat. Allez, go. On avance. Voulez-vous commencer le didacticiel? Bah, j'ai pas besoin parce que je connais le jeu maintenant. Hop là. Donc ça, je vais me débrouiller. Pas besoin du didacticiel. Ah, je bois un café en même temps. Alors, c'est ça qu'on va avoir. Ah. D'accord, donc c'est bon, je me suis mis en QWERTY. Alors, on va commencer déjà par améliorer, hop là, ça, voilà. On va le voir un petit peu ça. Je n'arrive pas à croire que nous sommes vivants. C'est juste la famille maintenant et c'est tout ce qui compte. Notre famille se compose de Gazo, Lia, Joseph, Amelia. Ah oui, j'ai pas mis le nom de la famille. Bon, c'est pas grave. Amelia est notre animal de compagnie. Pixel, nous avons eu de la chance de tomber sur cet abri de guerre abandonné. Il semble avoir connu des jours meilleurs. Peut-être qu'avec un peu d'huile de coude, nous pouvons le remettre en état. Tout est mieux que là d'où nous venons. Hop là. Comment on est là? Là, c'est plein. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. On n'a pas besoin. On va économiser de l'énergie. On n'a pas besoin de cette lumière. Et on n'a pas besoin de cette lumière. On a besoin. Donc dès que ça construit, on va déplacer des choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct les envoyer. Voilà, préparer l'expédition. Gazo, personne suivante. Liaz, carte. On a des bâtiments plutôt proches. On va faire d'abord par là. Ouais, et après par là. Donc on va confirmer. On leur. Équipe, j'ai pas besoin de mettre les barres parce que du coup c'est ce que je faisais au début, je les utilisais, sauf qu'ils avaient pas assez de force en fait, et du coup je les gaspillais parce que des fois ils les perdent. Donc voilà. Hop là. Groupe sur les terres dévastées, oui. Voilà. Toi t'éteins cette lumière. Amelia, dès que tu reviens, tu vas remplir le bol de nourriture comme ça, c'est fait. On va aussi te faire prendre la combi et réparer ça là-haut. Ça là-haut, et après, on va te demander aussi de réparer ça là-haut. Alors, on va réorganiser l'abri. Voilà. Hop là. Allez, on réorganise un petit peu pour gagner de la place. Accepté. Donc là, voilà, ils m'annoncent qu'ils ont trouvé un lieu. Je leur propose de fouiller ce lieu. Donc toi, jeune homme, tu vas fabriquer un objet. Qu'est-ce qu'on a en niveau 2? On va pouvoir construire les lits et laine. Et il va falloir qu'on accumule plus d'eau. L'eau, c'est extrêmement important.
Et fabriquer aussi un lit. Alors, ça sert à rien que j'utilise les ressources du niveau 1. Si je peux directement fabriquer en niveau 2, vaut mieux que je fabrique en niveau 2 direct. Voilà. Faut que je fasse aussi un toilette et une douche. Dès que je peux. Dès que. Voilà. Alors, examiner les éléments. J'ai fait une erreur dans ma première partie, c'est que j'ai accumulé beaucoup de composants qui ne servent à rien, sachant que par exemple un ordinateur portable cassé, pour pouvoir le recycler, il faut que je sois à mon établi niveau max. Donc là, ça ne me sert à rien. Donc il me faut vraiment des composants de construction directe. Donc là, il me faut de la bouffe, je prends aussi de l'eau, parce que si jamais je croise quelqu'un, il y aura une forte rentabilité, c'est important. Le jerrycan, les ampoules peuvent être servies dans cet état. Et après, je vais avoir besoin aussi du plastique et peut-être un peu de calcaire. Je l'embarque parce que je pourrais créer du ciment avec par la suite. Et donc voilà. Êtes-vous sûr de voir? Voilà, parfait. Allez, on accélère un petit coup. Merde. Oh! J'ai oublié de cliquer pour lire. Du coup, ils vont revenir plus rapidement et ils n'auront pas fouillé un endroit. Super. Bon, après toi, tu viens, tu remets la combinaison. Ouais, putain, ils sont revenus sans que je les ai envoyés fouiller le deuxième endroit. Ah, fais chier, quel con. Allez, dors. Allez, dors. Toi. Eh ben, on va les renvoyer direct, hein. Préparer l'expédition. Personne suivante. Carte. Alors, j'ai pas regardé la carte. Putain, j'ai peu de points proches. Ouais, j'ai peu de points proches. Le problème, c'est que je vais devoir balayer une forêt. Ça, c'est chiant. Hop là, on va le faire. Ça, c'est bien aussi. Ah, donc là, ils ont perdu leurs deux masques à gaz. Des fois, ils reviennent. Des fois, je peux les récupérer. Là, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça peut arriver, c'est pas grave. Allez. Toi, on va te faire arrêter ta nuit pour le moment. Et toi, on va te faire dormir à la place. Est-ce que tu peux fabriquer un autre lit? Oui, j'ai les ressources pour. Voilà. Au moins deux lits, quand ils sont quatre, c'est bien. Faut au moins la moitié des lits. Ah, quelqu'un va arriver. Là, il va me manquer beaucoup de charnières et de cordes. Donc là, le but, c'est que j'essaie de ne pas utiliser tout mon métal et tous mes tuyaux n'importe comment. Il va falloir que j'essaye de... Oui, je sais que t'es épuisé. Dors. Voilà. On va pouvoir répondre. Si tu sens, je cherche un refuge. Non, je peux pas me permettre. Désolé, j'ai pas assez de bouffe. 11 canettes et de l'eau que 20. Donc là, il pleut, c'est cool. Je vais pouvoir remplir un max mes trucs. Donc là, j'ai bien laissé dormir un max. Un peu là. Et fouiller les lieux. Là, il va bientôt me rappeler. Voilà. Examiner les éléments. Ah. Je peux très bien les prendre, sauf que je vais en avoir pour très 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 longtemps à pouvoir les utiliser. Donc je vais quand même les prendre, on sait jamais, ça pourrait toujours servir à faire du commerce, mais c'est vraiment difficile à utiliser, quoi. Surtout au début de partie. Alors, fouiller les lieux. Voilà, stockage d'eau à son max. Ce qui est plutôt une bonne chose. Annuler les déplacements. Qu'est-ce qu'on peut te faire fabriquer? Il va falloir que j'agrandisse en bas aussi. Il va me falloir après un chiotte. Donc ça c'est cool, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Donc... Toi, tu vas faire ça. Toi,
Fabriquer un objet. Merde, j'ai plus de ciment. Et je peux pas fabriquer du ciment. Ok, donc après, on va lui faire fabriquer une douche. Voilà. Et après, il faudra que je fasse fabriquer un chiotte. Examiner les éléments. Ah, oh oui, un tournevis. Alors ça va m'augmenter en fait la vitesse de fabrication. De réparation et de fabrication. Donc c'est cool. Pareil pour le ciseau. De la gomme, je vais en avoir besoin. Du magnésium, j'en ai pas encore eu l'utilité, mais je récupère aussi. Pot de peinture. On peut peindre, mais j'ai jamais réussi à comprendre comment faire. Bois, ça peut toujours être utile. Le sable, ça permet de faire du ciment. Les télés, faut les déconstruire. Alors ça a beaucoup de valeur, le ciseau. Donc je vais en prendre aussi le deuxième. Moteur. Ah putain, charnière. Donc je suis obligé de me séparer d'une des plantes. De toute façon, j'ai dit que ça, c'était un truc qui me servait à rien pour le moment. Oui. Et puis voilà. Donc là, on va continuer à accélérer. Voilà. Donc ils sont revenus. Je vais pouvoir les faire dormir. Parfait. Voilà. Alors, va dormir pour l'instant. Toi, t'es plutôt en bonne santé. Ce qui va se passer, c'est que... Voilà, reprendre. Toi, on va te faire arrêter de faire ça. On va te faire aller dormir. Voilà. C'est plutôt un boulot physique, ça, donc c'est normal que ça les fatigue. Est-ce que c'est non réorganisé? Non. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah oui, toi, fabriquer un objet, il me faut des chiottes. Voilà. Parfait. Et on réorganise. Je prends les douches que j'amène en bas, près des chiottes. Voilà. Alors, bah du coup, faut attendre. Faut attendre. Alors toi, tu arrêtes de dormir. Tu vas prendre une douche et derrière, tu vas manger de la nourriture. Toi, une fois que t'as fini, tu vas dormir. Et toi, tu vas utiliser les toilettes en bas. Voilà. Ah, on a quelqu'un qui va arriver. Voilà, ils vont pouvoir un peu se soulager. Alors, répondre. Est-ce que c'est un commerçant? J'aimerais que ce soit un commerçant. Oui, on va faire affaire. Ah! Et en plus, il a des choses intéressantes. Alors, est-ce que j'ai des objets de grande valeur dans l'immédiat? Ça, j'utilise très peu le charbon, mais ça vaut que dalle. Les fusibles, je mets longtemps aussi à les utiliser. Est-ce que ça... Ah, ça n'a pas de valeur. Fait chier. Ah, mais ça, oui. Je vous avais dit que le ciseau à bois, il fallait que je le prenne le deuxième, hein. Donc là ça fait 15, 16, 17, 18. Si je fais ça, 18, 18, donc ça, je vais en avoir besoin que très tard, des transistors. Le scotch, moyennement. Le ciment, ça peut être utile. Le scotch, ça va l'être aussi. Est-ce que j'ai un moyen de donner d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me seront peu utiles en début de partie?
Non, là, je suis bien là comme ça. Ok, on va faire l'échange comme ça. Et ça, c'est parfait. Alors, voilà, donc régulièrement, quand on va avoir des choses avec l'extérieur, on va avoir le journal qui va finir de se remplir. Donc là, je me demande comment quelqu'un a pu réussir à rassembler tous ces trucs. Suzanne a dit que cela avait pris du temps, mais qu'il avait réussi à trouver toutes les pièces pour restaurer une vieille camionnette et utiliser comme le moyen de transport, c'est possible, j'imagine. Donc là, on l'a, sauf que ça va être très dur. Moi, j'ai encore retrouvé aucune pièce avec ma partie où je suis à 59 jours. Hein, donc, autant vous dire que c'est pas facile, facile. Toi, t'en es où? Ok, donc dès que t'as fini, tira, utiliser chiottes. Accélère un petit coup. Toi, Suzanne, tu vas aller boire aussi un petit coup. Toi, fabriquer un objet. On va te faire fabriquer le petit truc pour laver l'abri. Et comme ça, on va te faire nettoyer l'abri. C'est important. Donc toi tu vas avoir bu. Toi t'en es où? Putain, il faut tout faire à toi. Et derrière tu vas boire de l'eau. Prendre une douche aussi. Prendre une douche. Et à la limite je pourrais envoyer Joseph et Liaz aller chercher des choses. Toi tu peux aller manger. Ouais, je vais les envoyer, Lias et Joseph, à aller faire des recherches. Allez, préparer une expédition. Donc on a dit Lias et Joseph. Parfait. Et on va aller... j'en ai que 38. Autant dire que si là je fais ça, il va falloir que je retrouve de l'eau quoi. Ça fait plus que 6. Ça veut dire plus que 6, donc pas de douche, pas de rien, pas rien du tout. Du coup, je sais pas. Est-ce que 20 c'est déjà mieux, hein, ça fait 18. Même si je vais fouiller des choses que du coup je connais déjà, mais. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, on s'équipe de ça. J'ai encore pas les sacoches. On s'équipe de ça. Et voilà, on y en envoie. Ça va se passer comme ça. Amélia, tu vas nettoyer l'abri. Et Gazo a fini de dormir. Donc, toilette. Utiliser toilette. Douche. 18. Putain, ça fait pas beaucoup. Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc, là, il est aux toilettes, après douche, et dès qu'il a fini, boisson et nourriture. Fouiller. Alors, j'ai dit quoi? Boisson, prendre de l'eau. Examiner les éléments. Alors ça a une très très haute valeur monétaire. Donc on prend calcaire, on prend aussi parce que ça peut faire du ciment. Les deux autres, comme j'ai dit, ça va polluer mon espace. Donc dans l'immédiat, j'en ai pas le besoin. Quand j'approcherai du niveau 4 de l'atelier et que mon abri sera plus grand, je pourrai me permettre. Là aujourd'hui, je peux pas me permettre. On va le faire dormir pour l'instant. Et après, on ira lui faire faire un tour de nettoyage un peu de partout. Hop là. On va peut-être aussi en profiter. Alors, améliorer, on en est où? Il manque vraiment que des charnières et des cordes dans l'immédiat. Hop là. Et on a dit un peu de nourriture. Ah ouais, le chat a faim. Donc, juste après, on remplira. Générateur est à 39, il va falloir que je le répare avec le filtre d'eau. Donc, réparer. Voilà. Alors, réparer, j'ai dit.
Et je vais aller aussi rapidement améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Améliorer. Ah ouais, je peux pas l'améliorer sans cuir. Ok. Il faudrait qu'il repleuve du coup. Parce que là, je suis dans le caca, il pleut plus. Comme par hasard. Après, on va lui faire faire prendre une combinaison et on va lui faire réparer surtout le filtre à eau. Ah, transmission radio. Fouiller les lieux. Donc là, ils sont déjà tout en bas. Ils ont été plutôt rapides. Putain, mais ils prennent autant d'eau pour aussi peu, quoi. C'est abusé. C'est abusé, abusé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah, du fer, de la bouffe, ça c'est bon, de la bouffe. Un peu d'eau. Plastique, de la laine, du ciment, du caoutchouc. Des seaux. D'un seau plutôt. Du seau. Et radio cassée, comme je dis pour l'instant, on le garde pas. J'en aurais pas l'utilité dans l'immédiat de toute façon. Et ça n'a pas une valeur commerciale énorme. Donc on peut se passer de ce genre de produit. Hop là. J'ai dit quoi? Je vais peut-être quand même. Je comprends pas en fait. Ah, décontamination améliorée. Ah, d'accord, il y a la décontamination et l'efficacité. Il faut que je monte plutôt l'efficacité. Donc là, on s'en fout. Et là, améliorer, c'est quoi? Résistance. Donc là, il y a la résistance. Ok, la durabilité. Donc là, c'est quand il y a une tempête de sable, s'il se casse ou pas. Ça, c'est sa vitesse où il se réduit normalement. Et ça, c'est pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent vivre. Donc comme je vais pas accepter tout de suite, j'ai pas besoin de dépenser. Ça a été mon erreur dans ma première partie. Je les ai très rapidement améliorés. Et du coup, j'ai manqué des ressources après pour ma ville en elle-même. Pour ma ville. Pour mon truc. Donc, voilà. Toi, jeune homme. Transmission radio. Accepter, fouiller les lieux. Toi, jeune homme, on va fabriquer un objet. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Là, j'ai besoin de pas grand-chose dans l'immédiat, si d'un ciment, à la limite. En bouffe, j'en ai trop peu pour l'instant pour me fabriquer un deuxième truc. Sachant qu'au mieux, vaut mieux que je fabrique directement un truc plus grand. Caisse de stockage, j'en aurais peut-être besoin. Donc, clous, j'en aurais assez pour fabriquer les deux. Il va manquer des cordes pour ça. Par contre, je peux avoir le. Ah, je peux fabriquer le four. Le four, la cuisine. L'avantage, c'est que du coup, chaque ration me nourrisse mieux. Et c'est pas si mal avec un frigo et avec le frigo je pourrais commencer. Alors non, je pense que je vais d'abord faire le frigo. Ah quoique, non, le four est plus important. Parce que de toute façon, le frigo, il va falloir des cordes, donc j'ai pas besoin. Donc je vais d'abord faire ça. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je dois réorganiser l'abri. J'ai besoin de ça là, de toute façon, parce qu'il faut qu'il puisse bouffer juste à côté. Voilà. Accepter la transmission. Alors, lié à la base, école en vue, j'aperçois une silhouette au moins qui nous fait signe. Je pense qu'il veut nous parler. Qu'est-ce que. Ben, vas-y, hein, vous impliquez. Moi, j'arrive, je m'implique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Tu m'as l'air d'un homme qui sait comment survivre à l'apocalypse. Et tu parles à une femme! Tu t'es pas un peu trompé dans ton discours? Je lui parlais avec Liaz, hein. De toute façon, c'est elle qui est en charisme et en intelligence.
Eh bien, je suis arrivé jusqu'ici. Voilà comment ça va se passer. Je vais te botter le cul et tu vas encaisser comme un bon petit soldat. Non, bah fuir. Eh bien, je trouverai peut-être certains de ces types qui... Alors, est-ce que j'ai pu fuir ou est-ce que je vais rentrer en combat? Non, c'est bon, j'ai pu fuir. T'avais pas d'armes. Ah, t'as pas d'armes, t'as pas d'armes. Un peu là. Et avec le ciment que j'ai fabriqué, fabriquer un objet. Avec le ciment que j'ai fabriqué, je vais aussi aller sur le côté là. Voilà. Sachant que après, je vais sûrement. Je peux pas déplacer la lumière. C'est dommage parce que sinon. Ah, quoique. Réorganiser? Non, je peux pas. Sinon, j'aurais décalé. Hop là, toi, tu remets la combinaison. Et tu vas commencer à dormir un peu. T'as pas mal travaillé. Voilà, on a gagné un petit peu en stats. Et on a ramené du matériel important. Parfait. Par contre, là, du coup, sans eau, dormir. Sans eau, je suis quand même un peu dans le caca. Et toi, faut que t'ailles le prendre. Oh putain. J'avais pas vu qu'elle était sale. Donc, super la douche. Direct jour 5, je suis dans la merde. voir, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une main coupée toujours attachée à la poignée d'une porte aujourd'hui. On aurait dit qu'elle avait été coupée par une sorte de rayon laser puissant. Je me demande ce qui est arrivé au propriétaire. Moi aussi, mais en fait, je me dis que j'aimerais pas savoir. Amélia, tu vas être fatiguée trop vite. Donc on va arrêter la construction. On va te faire ajouter du carburant. Putain. Et tu vas bouffer alors que tu es crade. Ça c'est dommage. C'est con que je puisse pas déplacer les lumières parce que sinon je l'aurais mise là. Ce qu'il faudrait faire c'est que je l'utilise ici mais bon. Allez, on va t'arrêter de faire dormir, toi. Et toi, dormir. Putain. Je suis dans le caca si j'ai pas d'eau. Faut qu'il pleuve là. Putain, je suis direct. Ah, je suis direct. J'allais dire, je suis direct dans la situation, dans une situation chiante. C'est chiant que de le dire. Mais bon, ça va. Ça a l'air d'aller. Dès que t'as fini fabriquer objet, est-ce que j'irai pas est-ce que j'irai pas fabriquer caoutchouc, ruban, plastique? Oui, ça déjà. Et en termes de bouffe, je suis à 10 et c'est 20. Fabriquer objet, je vais fabriquer directement ça. Voilà. Pour avoir des réserves un peu plus élevées. Pour améliorer, il me faut toujours des charnières et des cordes. Sachant que prochaine charnière, c'est... Surtout le congèle qu'il faut que je fabrique pour pouvoir poser des pièges. Ouais, mais après il va falloir que je les garde parce que j'aurai plus de métal et plus assez de tuyaux. Donc là il va falloir envoyer. Parce que là du coup t'es de nouveau fatigué toi. Donc dormir. Du coup, je vais envoyer
Bon, dès que t'as fini de fabriquer, je t'envoie en mission et avec la petite Amélia, j'envoie les deux femmes. Préparer l'expédition. Donc, Liaz, Amélia, on envoie et on l'envoie faire un grand tour. Voilà, j'ai besoin. Équipé. Personne suivante. Équipé. J'ai vraiment besoin qu'ils reviennent avec des choses importantes. Et après, j'ai avoir surtout besoin d'eau pour pouvoir faire des voyages plus longs. Réorganiser l'abri. Hop là, ça c'est parfait. J'espère que le deuxième lit ira là. Hop là. Alors, va dormir, s'il te plaît. Fais-toi plaisir, mon petit. Transmission entrante. Allez, fouillez les lieux. Et trouvez-moi des trucs. Merde. Bon, 48 d'eau et je peux en avoir 90. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt vraiment une bonne chose. Allez, on accepte la transmission. Approchez les étrangers. Petite maison. Pas de panique, je viens en ami. Je suis juste à la recherche d'un peu de matériel. Ok, tu veux jouer la carte sur table, voilà ce que je peux faire. Ça te plaît pas, va dire ça. Ouais, mais j'ai rien. Ah non, je peux rien lui donner. Désolé. Oh. Examiner les éléments. Ouais, les planches, du cuir. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du ciment aussi, pareil. Et un peu de sable. Ça peut toujours être utile, le sable, comme j'ai dit. Bon, trop, faut pas, mais c'est toujours utile. Dès qu'il s'est levé, je mets le lit en bas et je remonte l'atelier en haut. Parce que quand on travaille à la lumière, on gagne. Enfin, on obtient plus de trucs. Alors, j'AFK 2 secondes, je reviens tout de suite. Donc creux. Ha. Tout petit AFK bio. Donc toi on va te faire boire direct. Boire de l'eau. Voilà. Merde. On réorganise l'abri. Putain, j'aurais aimé que ça passe. Hop là. D'accord, ça peut pas passer là. Alors, interphone. Grégory, je dirais que je te rejoigne. Non, désolé. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Toilette, on s'en fout. Ça, c'est en bon état. Alors, qu'est-ce qu'il y a à réparer? Ouvrir. Le lit, un des deux lits est abîmé, donc je vais lui faire réparer les deux lits. Réparer et réparer.
toi, jeune homme, tu vas. Qu'est-ce qui peut être fabriqué? J'ai toujours pas assez nylon. De cuir plutôt. C'est plutôt le cuir que je n'ai pas assez. Au niveau de la peinture, on s'en fout. Je crois que je le construise hein, dès que je peux, une bibliothèque et une boîte à jouer, comme ça c'est sur certains items que je vais pouvoir récolter, je pourrais en faire autre chose. Il va me falloir du ciment, donc tiens, bah, je vais te faire du ciment. Le petit jeune homme. Ouais, quand ils sont pas contents, ils nous cassent les filtres, c'est que c'est enculé là. Juste parce qu'ils sont pas contents, ils cassent. Remplir, prendre ta combinaison et réparer. Réparer cette partie-là aussi. On va réorganiser. Ouais, c'est bien comme ça en fait. Je peux réorganiser dans ce sens plutôt. Merde. Accepter. Oui, fouiller les lieux. T'es là-bas pour ça, toi, je te rappelle. Est-ce qu'on pourrait pas. Je sais pas. Hop là. Accepter. Examiner les éléments. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé de beau? Alors, bouffe, c'est bien. Essence, c'est bien. Ça, c'est pour les enfants. Mais tant que j'ai pas de coffre à jouer, ils vont polluer un peu l'inventaire. Mais c'est pas grave. Un peu de calcaire, ça peut toujours être utile. Les lampes, ça. Voilà. Il n'y a que ça qui est pas utile. Donc, bim. Et toi, jeune homme, une fois que tu as fini, tu remets. La combinaison, tu la re-ranges. Toi. Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Pff, il faudrait t'envoyer en fait, mais. Voir la carte. Faudrait t'envoyer par là. Mais c'est loin. Ou t'envoyer là. C'est moins loin. Mais c'est en forêt. Je vais attendre qu'ils reviennent les deux. Voir ce qu'on va faire. Hop là. Tu peux aller boire de l'eau. Hop là. On va aller. Balayer les fréquences avec Gazo. Et je vais. Alors. Réorganiser l'abri. Hop là. C'est bien ça en fait. On peut. Comme s'il y avait plusieurs hauteurs. Fouiller les lieux. Allez, balayer les fréquences. Ah, j'avais pas vu ça, merde. Qu'on pouvait faire une transmission pour avoir des marchands. Ah merde! D'accord, bon bah c'est plutôt cool. Accepter, examiner les éléments. Ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, ça on a dit qu'on était aux F pour l'instant. Bam. Fabriquer un objet, je vais avoir besoin d'une caisse, j'en ai déjà fait une, ça. Ah non, elle est là.
32. Je vais en avoir besoin d'une autre. Fabriquer objet. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas réorganiser la barille? Putain, ça passe pas. C'est con. Ah, mais là, ça va passer. J'en suis sûr. L'IA va se transformer en trait de faiblesse en trait de force. Ok. T'es trop forte. Où est-ce qu'on peut voir? Ouais, je sais pas. Comment on peut voir? Bon. Je sais pas. Je ne sais point, je ne sais guère. Allez. Petit mangeur proactif. D'accord. C'est parfait. Alors, on va lui faire prendre une douche. Prendre une douche. Toi aussi, mais on va commencer par aller dormir pour l'instant, dans l'immédiat. Je n'ai pas la place pour faire autre chose. Alors, fabriquer objet. Bois, ciment, métaux. J'ai assez de métaux pour en fabriquer un autre. Voilà. Améliorer. Il me faut toujours des charnières et cordes. Faut que j'aille plus loin. J'ai pas le choix. Choix. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, une fois que tu t'es douché, tu vas manger de la nourriture. Et après, tu iras dormir. Merde, t'as aussi envie de dormir. Alors, on va te faire prendre une douche. Toi, on va te faire arrêter, on va te faire aller dormir. Voilà. Voilà. Une fois que tu as fini ta douche, tu vas pouvoir aller boire de l'eau et manger de la nourriture. Et à ce moment-là, toi tu vas aller réparer et t'as assez dormi. Et derrière, t'iras aux toilettes. Et toi, t'iras finir ta nuit. Voilà. C'est bien. C'est plutôt bien comme ça. Ça me va. Hop là. Ah. Faut que tu prennes une douche. Putain, il faudrait qu'ils se remettent à pleuvoir là. Qu'ils sont tous propres et tout. Histoire de recharger bien en truc. Faut que je les envoie plus loin. Faut que je les emmène plus loin. Petit mangeur lâche, il est. Ah, pluie, ça c'est bon. Répondre. Non. Je suis désolé, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour t'héberger. Boire. Toi, après tu vas utiliser les toilettes. Toi, tu vas
utiliser les toilettes avant. Du coup. Tu vas aller finir ta nuit, comme ça au moins c'est nickel. Ah. Tu vas donner à manger au chat, toi, le jeune homme. Joseph, petit Joseph. Crane, je vais live jusqu'à 20h parce qu'après j'ai quelque chose de prévu. Donc jusqu'à 20h, tranquille. Après je serai obligé de me déconnecter. Et bonjour à toi, Crane, au fait. Stockage d'eau et capacité max, parfait. Donc j'attends qu'elle finisse de dormir. Dès qu'elle a fini de dormir, je pars en expédition. Petit Joseph, tu vas manger. Manger de la nourriture. Putain, j'aimerais que tu finisses quand même avant. Répondre, Marie. Crâne, si tu préfères crâne, désolé. Bonjour, crâne. Eh ben oui, on va faire affaire. Oui, des clous, des clous, des clous, des clous. Eh, on va pas faire ça pour des clous. Pardon. Alors, je mets un petit disque, je vous ai dit que c'est une belle valeur marchande, les disques. Donc, je récupère tout ce qui est pas cher. Je vais avoir besoin de valves. De valves. C'est parfait, je vais avoir besoin de laine pour les lits. Les lampes, pas tant que ça. Le calcaire, pas tant que ça. Les transistors, pas tant que ça non plus. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Et donc là, je suis bien. Allez, on échange. Bim. Et ça, c'est cool. Vraiment cool. Alors, on va. J'enverrai qui avec. Faut que j'envoie Joseph. Donc, préparer une expédition. Liaise avec Joseph. Voilà. Et on a décidé qu'on irait très loin cette fois-ci. Voilà, faire un maximum. Et. Oh putain, j'ai plus rien. bah non, on y va comme ça, hein, c'est pas grave. Sans armes, sans rien. Et bim. Il est dur de vivre comme nous faisons, mais cette personne qui est venue nous voir aujourd'hui dit que le meilleur moyen de se défendre consiste à lire. Mais les enfants trouveraient sans doute cela ennuyeux. Les jouets leur convient sans doute davantage. Bah oui, hein, mais bon. Allez. On va reprendre le travail à côté. Alors, 69, 72. Est-ce que j'ai assez pour avoir un autre bidon? Non, j'ai plus assez de plastoc. Ah, par contre, ah putain, je pouvais me fabriquer un sac et je les ai envoyés sans sac. Oh, le boulet, les envoyer sans sac, c'était stupide de ma part. Bah oui, de toute façon, il te reste plus qu'à dormir, donc va dormir. Hop là, c'est con qu'on puisse pas craft des cordes tout simplement. Enfin, je veux dire, si on a du nylon ou de la laine, on peut craft de la corde normalement, vu qu'en le tressant, ça passe. Stupide des fois, hein. Alors, est-ce que il y a des choses qu'on puisse fabriquer? Oh, les livres peuvent être intéressants. Mais c'est que du bois et des clous. Ouais, mais ça me prendrait tout mon bois. Non, je peux pas me permettre de le faire tout de suite.
Putain, il me faudrait des charnières. Allez, ouvrir le bloc-notes. Les lits. Non, un lit et le générateur. Donc, réparer. Et c'est lequel? Et réparer. Moi-là, moi-là. J'ai commencé Dark Souls 3 et j'ai, je pense, bien avancé. Je suis à 22 heures de jeu à peu près dessus. Donc j'ai toujours pas fini une seule fois. J'ai... J'en suis où? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus la ville, mais je viens de passer l'immense ville magnifique là qu'on dirait celle de Bloodborne. Et je me suis faufilé sur le côté, enfin sur un des côtés. Mais bon, je sais pas si toi t'y as joué, mais j'ai beaucoup avancé. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié du jeu, voire les peut-être deux tiers, je sais pas. Mais bon, voilà. J'ai pas encore fini une seule fois, mais je pense que la fin, enfin là, dans d'ici une semaine ou deux, j'aurai fini le jeu et je recommencerai pour faire des vidéos dessus sur la chaîne YouTube. Échange. Bon, moi j'avais rien. Ok. Je peux pas faire d'échange avec ce monsieur parce que je n'avais rien sur moi. Examiner les éléments. De la bouffe. Sac clou. Ça, j'en ai pas l'habitude. L'utilisation pour l'instant. Oui, ouais, la vallée boréale. Je suis descendu, donc je l'ai nettoyé. Il y a un chemin que je suis pas arrivé à ouvrir, mais je pense que je vais avoir la clé plus tard. Là où il y a la sorte de grande église, je sais pas, on aurait dit une sorte de cathédrale ou une connerie comme ça. Et donc du coup, je suis descendu sur le côté par le lac, par la rivière en fait. Et là, je suis passé sur le côté là-bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Mais j'ai trouvé magnifique la vallée boréale. Vraiment, vraiment magnifique. On va essayer d'approcher les étrangers. C'est pas forcément dangereux parce qu'en fait je l'envoie avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme et le fait de l'envoyer avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. En fait, il n'y a pas de combat du coup parce qu'avec le charisme et l'intelligence, elle arrive à se débrouiller, à fuir le combat. Sur mon autre partie là où j'ai fait 50, enfin je suis à 60 jours, les seules fois où j'ai fait des combats, c'est parce que j'ai voulu faire du combat. Sorti de là, je n'ai jamais eu de combat. Voilà. Tu vois, là directement, il me propose d'échanger, donc je peux échanger avec. Et puis. Voilà, bon, lui, carrément, il veut même pas, il se barre. Voilà, tu vois, il a même pas cherché à comprendre. Alors, toi, tu vas aller prendre une douche, boire de l'eau. Et manger, et après je vais t'envoyer loin. Je vais t'envoyer très très loin. Toi derrière, t'iras utiliser toilette. Examiner les éléments. Oui, ça c'est cool. Ça c'est cool. Comme je dis, haute valeur commerciale. Ça, le tasse, on s'en fout parce que c'est pour le recycler. Voilà. Et on confirme. Et une fois qu'Amélie a fini, on lui dit d'aller dormir. Parfait. Maintenant, tu manges de la nourriture, s'il te plaît. Et après, on va t'envoyer à la recherche avec le sac. Fouiller les lieux. Mmh.
Bon, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je peux cliquer sur la page à côté sans que je sois embêté et que je voie plus rien. C'est cool. Accepter la transmission. Examiner les éléments. Du fer, ça c'est cool. Ah, trois cordes. Ouah! Munition de pistolet. Je pense que ça a une bonne grosse valeur commerciale aussi, mais bon. Mais bon. Alors, là, on va devoir faire le tri. Le sable, je m'en fous, parce que après tout, si je peux prendre le ciment à la place, c'est mieux. Bouteille d'eau, je suis au max en eau. Donc là, en fait, la seule chose, c'est prendre du magnésium. Dans le jeu, il y a une fin? Non, dans ce jeu, il n'y a pas de fin. La fin, c'est quand tu meurs. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Il y a un leaderboard, donc un scoreboard. Tu peux du coup voir ce que les autres ont fait par rapport à toi. Mais voilà. Confirmé, oui. Et donc, non, il n'y a pas de fin. Le but, c'est vraiment de vivre le plus longtemps possible. Personne suivante, j'en veux pas. Et on va aller faire. Merde. On va le faire aller là-bas. Tout seul. Non, alors. Voilà. Et revenir. Confirmer. On lui équipe un sac. Un sac. Pas d'armes non plus. Et on l'envoie tout seul. Il utilise moins d'eau du coup. C'est aussi l'intérêt de le faire envoyer seul. Par contre, c'est vrai qu'avec un petit sac, c'est pas très utile, mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Dès qu'il va se réveiller, je l'enverrai boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Faut vraiment que je garde en fait mes ressources, faut que j'améliore pour aller plus loin. Faut que j'améliore, mais il me faut des charnières et des cordes. Et ça, c'est un peu le problème. Ou sinon, il faut vraiment que je garde mon métal et mes tuyaux. Mais il faut que je garde que 5 de métal et 10 de tuyaux. Donc, est-ce que je peux pas fabriquer un objet? Qui pourrait me permettre de mieux vivre? Les livres, ça peut être utile aussi. Mais ça utiliserait quasiment tous mes clous et mon bois. Après, si je trouve une scierie pour le bois, c'est pas trop grave. Allez, je vais la faire, l'étagère. J'arrive pas à me décider, hein. Examiner les éléments. Ça, j'ai pas le choix, ça, je m'en fous. Les lentilles, j'utilise très peu depuis. L'ours en peluche. Alors, soit j'abandonne un truc qui. Ouais, l'ours en peluche, j'en ai pas eu beaucoup besoin depuis le début, donc j'aurai largement le temps d'en retrouver. Ouais, largement. Je me suis récupéré mon stock max d'eau, donc c'est plutôt une bonne chose. Fouiller les lieux. Fabriquer un objet. Donc du plastique. Caoutchouc, plastique, laine. Putain, il faut beaucoup de plastique. C'est con qui s'abîme vite. Que je les perds régulièrement. Bonne cuisine, bonne douche, sac à dos. Bon, bah, de toute façon, il va falloir que j'attende. Donc, je vais juste, une fois qu'il a fini de boire, je l'enverrai faire un peu de ménage. Examiner les éléments. Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé de bon? Ah!
Alors, circuit électronique, j'en aurais besoin de plus tard. Mais du coup, quand même, le plastique, j'en ai besoin rapidement. Plus rapidement que le reste. Les valves, j'en ai 12. Corde, j'en ai pas, donc ça, j'ai pas le choix. Le cuir, j'en ai 0 pour l'instant. Putain, j'ai tout besoin. C'est ça qui me fait chier, je leur ai remis des sacs, j'aurais 8 emplacements. Donc là, il faudrait que je prenne juste ça. Bon, allez, juste je dégage des trucs à valeur commerciale de toute façon. Je peux pas me permettre de ne pas. Merde. Bah, tu vas t'arrêter de dormir, désolé. Tu vas ajouter du carburant. Allez, on se bouche en cul. Voilà. Tu vas me faire le nettoyage de l'abri. Allez. Ah merde. Je m'implique. Je m'implique. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres personnes dehors récemment. Salut, ce n'est pas surprenant si j'ai plein d'équipements si tu veux faire des échanges. C'est moi qui n'en ai pas d'équipement. Et chaud. Voilà. C'est con, c'était du charisme gratuit. Parce qu'à chaque fois, on augmente notre charisme à chaque fois qu'on fait des choses liées à ça, quoi. Bah oui, on va faire affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai à haute valeur commerciale dans l'immédiat? On va dire que j'ai les peluches. Donc, on va voir un peu les peluches. Ça, c'est utile, le caoutchouc. Ça vaut 4. Les piles valent 4. La bouffe vaut 10. Piles. Disjoncteur, je vais pas en avoir besoin tout de suite. Interrupteur, si. Il pleut pas pour l'instant, donc je vais peut-être éviter de donner de l'eau. Oui. Ah, t'as tout à fait raison, crâne. Et c'est n'importe quoi souvent. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Je pense aussi que c'est par rapport à des erreurs de traduction. Je pense que c'est des facilités de traduction. Je vois pas pourquoi autrement. Ouais. Sachant que je crois qu'ils reviennent avec pas mal de bouffe, donc à la limite je pourrais survivre comme ça, et là ça me ferait gagner quand même des compos intéressantes. Et bim. Ok, on s'approche des étrangers, on va bien voir ça. Et l'ami. On échange? Écoute, prends-le, d'accord, c'est il faut vraiment que je m'en débarrasse. Ok. À la limite, il n'y a que le comprimé anti-radiation qui m'intéresse, mais j'en ai déjà pas mal, et par contre, j'ai quand même trop besoin de la bouffe pour l'instant. Même ça suffirait pas. Non, tant pis.
Oula, toi t'étais fou, hein? Toi t'étais fou. Examiner les éléments. Oh, ouh, ouh. Pardon. Calmant, antibiotiques, comprimés anti-radiation. Eh ben, quand j'ai envie de te dire ça dégage et je récupère des comprimés anti-radiation. J'ai envie de dire que la valve, tu peux aller te faire voir et je récupère les antibiotiques. Et je pense qu'on est bien là. Oui. Ben, tu sais quoi, je vais même leur demander, voir la carte, je vais même leur demander de revenir. Ça sert à rien qu'ils continuent à faire le reste. Parce que, ah, quoi qu'une petite usine, avec la limite, je pourrais peut-être avoir ce qu'il faut. Ouais. Je me demande comment quelqu'un a pu réussir à assembler tout ce truc. Ouais, encore une fois, tu me poses la même question. Fouiller les lieux. On va vérifier juste s'il y a quelque chose qui est en très mauvais état. Filtre à eau, filtre à oxygène. Donc, il y a besoin. Prendre, réparer. Et réparer. Fouiller les lieux. Là, pareil, les réparations iront beaucoup plus vite quand j'aurai plus d'outils. Vous voyez, là, j'en ai que deux pour l'instant. Donc, l'efficacité des outils est 20%, mais on en a rapidement plus. Rapidement, rapidement plus. Ah! Oui, oh, ça a été très bien ça. Donc du coup, je vais devoir quand même lâcher des trucs. Je vais avoir besoin des charnières, donc j'ai pas le choix. Les charnières sont plus importantes que ça. Il faudrait que je ramasse la scie. Plus important que le ciment, la scie. Petit moteur, j'en ai pas forcément besoin de plus. L'eau, je m'en fous, je suis full pour l'instant. Câble électrique, ça serait important, mais pas tout de suite. Ouais. On confirme. Et là, normalement, ils vont rentrer. Et ça, c'est cool. Allez, examiner les éléments. Toi, t'avais rien, donc tu prends tout. Bon, tout sauf les trucs qui servent à rien. Pour l'instant, ça peut être utile. Donc on les garde, mais je les dégagerai rapidement. Hop là. Et après, tu rentres, remettre la combinaison. Fouiller les lieux. Le chat qui... Ça c'est parce qu'il a faim. Comme en vrai quoi. Ah, pluie à la surface. Putain par contre c'est chiant parce que du coup je suis full. Je suis full en pluie. J'aurais dû en vendre. Tout à l'heure. J'aurais dû en vendre. J'en aurais vendu, l'avantage c'est que du coup je me serais pas fait emmerder. Enfin là j'en aurais eu. J'en aurais eu quoi. Mais bon, on peut pas savoir quand c'est qu'il pleut, donc on n'a pas le choix. Du coup, on va en profiter, on va lui faire prendre une douche. Prendre une douche, et derrière, on va aller le faire manger. Non, pas manger. Et derrière, on va aller le faire dormir. Hop là. Mange le chat, il mange moins. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Fais gaffe, hein, y a des fois des protecteurs des animaux ici. Voilà, augmentation de la perception. Alors, pas le choix. D'abord une douche et après tu manges. Et toi, d'abord tu dors. Éliminer les éléments. Non, examiner les éléments. Tout. Lentilles, pas besoin pour l'instant. Je préfère. Je vais avoir besoin des ressorts. Donc de toute façon, voilà. Le seau, j'en ai plusieurs. Ça me sert à rien. Donc je vais prendre pile.
Sable, j'en ai pas besoin non plus. J'ai plus besoin de cuir pour l'instant. Pareil pour le calcaire, je préfère avoir sur moi à la limite les lentilles, je crois, qui ont une meilleure valeur commerciale. Pas grave, c'est qu'un jeu vidéo. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais bon, maintenant, quand dans des jeux vidéo tu tues des vieilles et tues des animaux, faut faire gaffe, hein. Tu peux avoir les vieux et les protecteurs des animaux sur le dos. Hein. Enfin bref, c'est un long débat qu'on n'explorera pas aujourd'hui. Hop là. Une école. Allez, vas-y, fouille ma poule, fouille. Et maintenant, t'as envie de dormir. Donc toi, tu arrêtes de dormir et tu vas manger et toi tu vas dormir à sa place. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Toi, t'as trouvé plein de trucs. Et ça, c'est cool. Bah du coup, je dégage la peluche, je prends le fer, je dégage le livre et je prends du bois. Ouais, non, c'était pas pour dégager ça, pour prendre l'autre, parce qu'en fait, j'étais déjà. Le ressort, je le prends. La valve, je la prends. La lentille, je la dégage, je préfère ça à la place, je pense. Ouais, on confirme comme ça. Et go. Fouiller les lieux. Il était parti où? Je crois qu'il est en train de revenir, hein. Ah, c'est ça, il est en train de revenir. Donc c'est plutôt cool. Ça se passe bien, ça veut dire. Améliorer, on en est où? Qu'une seule charnière et corde. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va fabriquer un congèle. Ouais, quoi, qu'est-ce que je fabrique le congèle? Parce que là, à la limite, le congèle. Non, je vais fabriquer le congèle. Voilà. Et derrière, on pourra aller fabriquer le piège à l'extérieur. Sachant que pour la bouffe, ça peut toujours être très utile. On va parler, on sait jamais. Dans les jeux vidéo. Bah, je sais pas, après ça dépend de beaucoup de choses en fait, Crâne. C'est surtout que pour une certaine population, enfin une partie de la population, les gens pensent que si t'en es capable dans un jeu vidéo, bah t'en serais capable en vrai en fait. Donc tuer des méchants, ça les dérange moins que de tuer des gens qui ont rien fait et qui sont pas. Enfin, comme des animaux d'ailleurs. Voilà, c'est. Faut pas chercher à comprendre des fois. Je ne peux pas régler tous les problèmes. Est-ce que je devrais beaucoup t'aider? C'est à toi si tu en payes le prix. J'en ai absolument besoin de rien de ce que tu as à me proposer. Après, ça se com... enfin, ça peut se comprendre, même si c'est pas une format de pensée que je partage, mais comment dire? Je l'ai déjà vu, quand tu vois que des gamins sont capables de gueuler sur leurs parents pour avoir GTA alors qu'ils ont que 8 ans et à venir à hurler ou à taper, il y a des personnes, les jeux vidéo, faudrait pas leur mettre, mais c'est un peu comme tout, quoi. C'est, il y a des gens, ils sont des fois pas aptes. C'est tout. Examiner les éléments. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ah, du coup, je vais être obligé d'abandonner les piles dans l'immédiat parce que le nylon est plus important qu'une pile. Et là, c'est plutôt bien.
Ah, c'est plus compliqué que ça, mais bon. La critique, elle est plus, il est plus, la critique sur ce genre de jeu sont plus quand les jeux sont réalistes. Malheureusement, enfin, c'est plus pour des jeux comme GTA qui sont des, à mon avis personnel, des chefs-d'œuvre parce que ben, ça arrive à un tel point de faire beaucoup. Enfin, ils ont un réalisme dans leur conception et dans l'aboutissement de leur jeu qui est tel que ça devient un chef-d'œuvre. Mais le problème, c'est que les gens savent pas non plus lire entre les lignes. Mais bon, c'est compliqué. En général, c'est pas un jeu comme Dark Souls qui sera pointé du doigt, quoi. Toi, t'as besoin de dormir après. Allez, va dormir. Et toi, dès que t'as fini, tu vas aller foncer. Tu vas aller foncer faire du travail. Je t'ai demandé de faire quoi, toi? Ok, rien. Allez, préparer une expédition. Personne suivante, carte. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Alors, petite maison, petite usine, petite pharmacie, fleuriste. J'avais vraiment aimé le fait qu'il y ait l'usine et la pharmacie à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une boucle propre. Moi. Et on va confirmer. Ah merde! Oui, il faut que j'attende qu'il soit rentré complètement. Voilà. Confirmé. Voilà. Et on va préparer. Liaz. Personnage suivant, j'en veux pas. Carte, j'ai dit que je faisais une toute petite boucle. Voilà, on confirme. On s'équipe. Et on envoie le groupe. Oui. Et toi, comme on a ce qu'il faut en médicaments, un anti à radiation et après dormir. Bim. Corde charnière. Améliorer, non, fabrication d'objets. Il va falloir plus d'eau. Donc ça peut être important. Oh bah tiens, on va en mettre un là. Jour 12. Et une fois que tu auras bouffé, tira boire, ouais. Boire d'abord. Donc on va accélérer. Répondre. Alors, si tu as toujours envie, j'ai quelques bons produits à proposer. On fait affaire. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai des choses de valeur? Voilà, comprimé anti-radiation, ça a beaucoup beaucoup de valeur. J'ai bien fait d'en ramasser pas mal, surtout qu'en plus là je vais en rechercher. Donc on va mettre d'abord un comprimé anti-radiation dans l'affaire et je vais lui prendre tout son métal. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours besoin. Oh, 8 cordes! Oh, comment ça me sauve trop! Oh, ça me sauve trop! Du coup, bah, je vais mettre un deuxième comprimé, je vais prendre les C4 de bouffe et en termes. Oui, tout à fait, Crâne. C'est tout à fait comme This War of Mine. C'est vrai que je l'ai dit au début, mais tu devais peut-être pas être là. C'est tout à fait du This War of Mine. Hop là. Et un comme ça, je suis à 80-80. J'ai beaucoup joué à This War of Mine. D'ailleurs, je pourrais peut-être me refaire une partie avec vous en live un jour. Mais j'avais essayé. Je sais plus si j'avais essayé de faire du live sur This War of Mine.
Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a eu son extension. Je sais pas si ceux qui ont acheté le jeu ont le droit de l'avoir direct. Ou s'il faut que je leur repaye à côté. Mais voilà. Alors, salut, comment ça se passe pour toi dehors? Sauf que je crois que j'ai rien d'autre. Ok, j'avais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais qu'on gaspille du carburant. D'ailleurs, Joseph. Merde. Fouiller les lieux. Un peu là et ajouter du carburant. Alors toi, tu vas... Je vais te faire déjà nettoyer l'abri et après une petite douche de fortune. Toi, tu vas aller te faire à manger. Ouais, je vais me piquer, il faut bien que j'avance, hein. Eh crétin, ne t'en va pas si vite. Du calme. Tu sais, ça fait un bail que je n'ai rien découpé. Bah non, je fuis. Tu peux, je m'en vais. Bon, est-ce qu'ils m'ont rattrapé ou pas? Ah putain, il m'a rattrapé. Oh, la salope. Fuir? Non, non, je veux pas. J'ai fui? Ouais, c'est bon. Je lui fais faire à bouffer. Ah, j'ai dû me planter, putain, il avait dormi. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, bah tant pis. Bonjour à tous ceux qui regardent, au fait, hein. Je sais, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui parlent pas, peut-être tout simplement parce que vous avez pas de compte, mais je vous dis quand même bonjour. Je vois qu'on est un certain nombre maintenant. Je me doutais bien qu'avec un jeu comme ça, j'aurais pas non plus 130 000 personnes. Et la taille de... Bien sûr, et la taille aussi de mon Twitch, hein. On n'est pas beaucoup, beaucoup. J'ai pas beaucoup de followers. C'est bon ça. Moteur, ciment, câble électrique. Ça, je récupère aussi ça aussi. Ça a une bonne valeur marchande et je prends l'eau pour l'instant. Mais en tout cas, ça m'empêche pas de vous dire bonjour. Toilette et eau, donc utiliser les toilettes après pour toi. Fouiller les lieux. Toi, une fois que t'as fini. Ah putain, c'est toi, je me suis trompé. Je voulais que tu manges toi et c'est l'autre qui a mangé. Il va falloir que je pose des pièges aussi. J'ai le frigo maintenant, donc je vais lui demander de le faire juste après pour attraper des lapins et tout. Oh. Qu'est-ce qui va se passer à la pharmacie? C'est la même que toute la dernière fois? Qui est là? Enfin, non, qui c'est qui est là? Je lui dis de me lâcher. Allez, dégage. Par contre, du coup, je vais pas avoir pouvoir fouiller. Oh putain, j'ai pas pu fouiller la pharmacie, quoi. Ah, ça fait chier quand ça t'arrive comme ça. Fabriquer un objet. Est-ce que je peux fabriquer? Ouais, je peux fabriquer un deuxième, donc je vais le fabriquer. Ah, mais non. Je suis con. Fabriquer, toi je veux que tu le fabriquer en haut, et toi tu fabriques un autre sac.
Examiner les éléments. Oh, une arme à feu. Ah, ça, par contre, c'est plutôt une très grosse. Oh, une grenade. Ok. Ok. Alors, la pelote de laine, je m'en fous. Je vais prendre les balles pour le pistolet. Bouteille d'eau. Je sais pas si ça a une grosse valeur marchande, la grenade, plus que le ciseau par exemple. Bon, je vais abandonner le ciseau parce qu'il faut que je le sache pour la grenade. Voilà. Ça en est à quel état? 72, 72. Donc après, tu remets là-dedans. Et toi, tu nourris. Voilà. Et je vais envoyer. Dès qu'il a fini ça, je vais l'envoyer. Je sais pas. Est-ce que j'en envoie deux? Ouais, je vais peut-être en envoyer deux. Boire de l'eau. Et donc, du coup, fabriquer un objet. Ah putain, j'ai plus assez de cuir et de nylon. Clou et bois. Je vais peut-être me le fabriquer, du coup, maintenant. Ouais, allez, je le fabrique. Et je vais préparer une expédition. Allez, préparer une expédition. Personne suivante, je veux pas. C'était quoi déjà par là? Petite ferme, petite maison, inconnu, école, clairière, inconnu, inconnu. Et là, c'est quoi? Il y a une banque, une station essence, une petite maison et une petite quincaillerie. Alors, on va faire la même boucle. On va passer par la petite usine. On va faire la banque. Et en revenant, on fait ça et on revient. Ça fait 20. Parfait. Hop là. Ouais, ça va bien comme ça. Là, je viens de le faire, donc il y en a une partie qui me coûteront rien, mais comme c'est sur ma route, ça me coûtera absolument pas d'eau en plus de faire le tour. Donc voilà. On confirme, on l'équipe de ça. Alors, je sais que j'aurai que 10 emplacements, mais bon. J'ai pas trop le choix dans l'immédiat. Et je suis en train de me dire que quelque chose que je n'ai jamais fait. Pourquoi je peux pas les équiper d'un couteau? Pourquoi je peux pas mettre de couteau d'ailleurs? Je les ai vendus, j'en ai fait quoi? C'est bizarre. C'est vrai ça. J'en ai. J'ai eu. J'avais des couteaux, j'en ai fait quoi? Ah, ou est-ce que c'est pas dans mon autre partie? Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Alors, examiner les éléments. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Pouf, ça pourrait m'être utile, mais qu'est-ce que je pourrais dégager à la place? Ciment, à la limite, je peux le dégager. L'eau, j'en ai pas besoin. Mais est-ce que je prends le cuir? J'en ai plus, hein, il m'en faut. Pas grand-chose, crâne. Pas grand-chose. Je continue. Là, je viens d'envoyer mon personnage faire une boucle plus grande. Je vais te montrer. Tu vois, je vais envoyer faire une boucle plus grande que mon premier groupe qui a fait une boucle plus petite pour pouvoir faire ces bâtiments-là que je connais pas. Et normalement, je devrais connaître ces bâtiments-là aussi pour voir.
Il va me falloir. Est-ce que je peux améliorer ça? Non. Là, pour l'instant, tant que je suis solo dans ce truc, je peux rester comme ça. Après, peut-être que je peux désactiver pour l'instant. Tant que j'ai pas attrapé de la viande, ça me sert à rien. Fabriquer un objet. Est-ce que je peux faire le coffre? Non, j'ai pas de charnière. Façon, la seule chose qui me manque, c'est des charnières. Et là, c'est des livres, mais pour l'instant, j'en ai zéro. Hop là. 67, 67. Donc on va aller lui faire réparer tout ça. Et toi, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire réparer? Bah déjà, on va te le faire ajouter du carburant et réparer. Voilà, Ariel, elle rentre. J'aime bien la musique du jeu, je trouve qu'elle est bien choisie. Elle est reposante tout en ayant une sorte de petit stress dans la musique. Enfin, c'est plutôt bien fait. Alors, tu vas aller d'abord te prendre une douche. Approcher les étrangers. Approcher les étrangers. Hey! Sauf que je crois que t'as rien sur toi, c'est ça? Je viens me déranger pour ça. Ok. Lui m'a fait aller, retourne chez ta mère. T'as rien d'intéressant. Bon, une fois que c'est ça, tu manges. Alors, la nourriture, 12. 12, c'est pas si mal. Sachant que dès que je vais commencer à attraper de la viande, ça sera déjà beaucoup plus intéressant pour moi. T'as réparé les deux? Putain, qu'un seul, fichier. Réparer. Et après, réparer. Voilà. Non. Et après, tu re-rentres. Voilà. Et toi, tu vas réparer ça. Et il replie à la surface. C'est parfait. Techniquement, ouais, il faudrait quand même que je la fasse dormir. Je peux pas la renvoyer direct. Examiner les éléments. Ok, je prends tout, mais j'en déposerai quand même à un moment ou à un autre. Je t'ai dit, tu vas faire quoi, toi? Dormir après. Ouais, dormir. Fouiller les lieux. Et le gamin. Et le gamin! Fabriquer un objet. Charnière, j'en ai pas beaucoup trouvé, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Échelle de métal utilisée pour se déplacer entre les étages. Bah écoute, je vais te faire faire ça. Allez, accepter. Examiner les éléments. Qu'est-ce que t'as de bien? Pour l'instant, comme j'ai dit, je prends tout. On sait jamais. Il y a toujours du commerce possible à faire. La transmission, fouiller les lieux, ouvrir le bloc, les lits, un lit à 53,
Et le toilette improvisée. Donc il y a un lit qui est à 53, donc c'est sûrement celui-là. Réparer. Et les toilettes improvisées réparées. Du coup, on va activer, mettre la combi et relever le piège. Oh putain, fusil de chasse maintenant. Ok. Ok. Dans la banque. Ça m'étonne quand même, mais bon, ok. Du coup, je dégage tout ce que je vais devoir recycler pour utiliser ou qui m'est pas utile directement dans l'état. Et là, je suis plutôt bien. Oui, donc on confirme comme ça. Sachant que mon but, ce sera quand même de pas garder, enfin peut-être le garder le fusil, mais pas de cette manière-là. Hop là. Et après, tu pourras remettre ta combinaison. Et toi, petit, une fois que t'as fini, non. Petit, bon, pas grave. Parfait. Comme ça, au moins, au niveau de la viande, ça sera plus sympa. Et là, il va falloir que tu ailles aux toilettes et derrière, tu le répareras. Ah, oh, oh. Putain, fait chier, c'est encore des trucs intéressants, quoi. La laine, j'en ai pas besoin pour l'instant. Le masque à gaz peut m'être utile. Les lampes, j'en ai pas non plus besoin pour l'instant. Par contre, j'ai besoin de la pince à tout prix. Des jerrycans, des bidons de pétrole. J'en utilise que très peu pour le moment. Donc, je sais mes limites. Maintenant, maintenant, un fusil de chasse sans munitions, c'est pas utile. Par contre, est-ce que la barre d'armature est vraiment utile? Est-ce que je la dégagerai pas pour pouvoir prendre un clou? Mais j'en ai 12. Je suis pas en manque comme les ressorts. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Alors on va quand même aller vérifier la petite maison. Sachant que là, normalement, il va revenir avec deux outils quand même. Après, tu vas pouvoir aller dormir. Fabriquer objet. Nylon, j'en possède un. Alors, est-ce que... Alors, ça c'est cool, ça c'est cool. Ah oh, oui, de la bouffe. Et jerrycan, voilà. Donc bon, ça s'est bien passé. Un peu là. Elle en dit quoi? Elle en dit que là, elle a dormi assez. Donc j'envoie qui avec? Joseph. Hop là, donc on va préparer une expédition avec Joseph. On va sur la carte. Ah oui, c'est la petite maison où j'y suis allé. Ok. Ah, il y a une petite casse. Donc on va faire une boucle un tout petit peu plus grande. Et on va revenir par
41. C'est très bien. Alors, on va s'équiper de ça. On va s'équiper de ça. On va prendre les munitions, on est un peu obligé, sinon ça sert à rien. Pistolet. Voilà. Moi, je sais que j'en ai. Personne suivante. Eh ben, elle, rien du tout. Voilà. Juste, tu viens pour tes 6 emplacements. Fouiller. Faudrait que je fasse nettoyer. Après, tu nettoieras en revenant. Allez, go. On va essayer de s'impliquer. Ah, le temps avance vite, il est déjà 19h45. Et ben, on voit pas le temps passer. J'adore comment tu lui dis ça. En ce qui me concerne, tu peux y aller crever. Et là-bas, hein, loin de ma vue, je veux pas te voir. Hein, tu risques de me gâcher la vue, magnifique. là là. Examiner les éléments. Qu'est-ce qu'il y a de beau, boy? Oh putain, marteau. Bon, bah, je peux que dégager ça pour prendre le marteau. Ah, il me faut des charnières, donc j'ai pas le choix. Au pire, le masque à gaz, je peux le dégager. Ouais, je peux pas passer à côté de deux crémaillères. Donc, ça, je m'en fous. Ah, la petite quincaillerie est bien sympathique quand même. Hein. Planche 15, ça va aller. Ouais, allez. On confirme comme ça. Prochain, avant de les envoyer, la prochaine fois, je suis obligé d'attendre que tout le monde vienne. Je les soigne tous et je les renvoie tous en. Enfin, un groupe complet, full stuff, bien fait, comme il faut et tout. Merde, accepté. Allez, à approcher les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire cette fois-ci? Hé, toi! Oui, une balle, c'est 40. Non, mais tant pis. Ok. Bon, moi j'arrive, j'ai l'arme directe comme ça au poing. Bouge pas! Style en cow-boy, quoi. Allez, arrête-toi pour discuter. Moyenne maison! Le prix, c'est le prix. J'adore comment il te dit ça. Ah oui, 200 le fusil de chasse. M'étonne que j'ai bien fait de le récupérer. Ça, je l'utiliserai pas, je vais le vendre, mais c'est ultra rentable. Ultra rentable. Non, il n'y a rien d'intéressant de toute façon. Ultra rentable. J'adore comment on dit ça. Je sais, je m'amuse avec un ultra. Merde.
plein de choses que j'ai pas pu prendre, c'est con. Examiner les éléments. Oui. Je dis oui. Et ça, c'est en cas où, si jamais je dois faire du commerce. Hop là. Je veux pas le laisser faire lui-même en fait. J'aurais pu dire non, je me casse, voilà, mais non. Hé, attends, qu'est-ce que je peux t'aider? Ta gueule va crever. Oh, fais chier. Remplir. Toi, t'en es où? Ajouter du carburant aussi. Comme ça, c'est fait. 80, 82. Examiner les éléments. On prend tout. On prend tout, prend tout. Fouiller les lieux. Jour 15. Tiens, crâne, c'était toujours là. Dis-moi, toi, les lives, c'est quels les jours que tu préfères et l'heure que tu préférerais? Sachant qu'en général, je ferais rarement des lives de plus de 2 heures, 2-3 heures. Donc ça, tu dégages, ça, je prends. Et ça, tu dégages, ça, je prends. Bah d'ailleurs sur ceux qui regardent, si jamais il y en a d'autres qui veulent le dire, hein, faut pas hésiter, mais bon, comme vous avez pas dit bonjour, je pense que vous avez pas de compte. Et donc du coup vous pouvez pas marquer sans en faire un. Qu'est-ce que je peux fabriquer du coup? J'ai plus beaucoup de bois, mais là je vais en ramener pas mal quand même. Donc à la limite, est-ce que je pourrais pas... Un lit plus, mais non, c'est pas utile à part me faire gaspiller un petit peu des trucs. Je regarde, mais... Je sais pas trop quoi mettre en fait. C'est... Là, le plastique, ce serait con de l'utiliser pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le fabriquer. Et après, il faudrait que je trouve une scierie. Faudrait que je trouve une scierie. Examiner les éléments. Bim et bim. Oui! Ah, il revient déjà. Transmission radio entente. Fouiller les lieux. Je dis fouille. Comme j'ai dit la prochaine fois, j'attends que tout le monde rentre pour pouvoir tous les renvoyer. En plus, j'attends aussi qu'il pleuve par la même occasion. Donc voili voilou. De toute façon, là, il reste 10 minutes, donc ça va être le temps qu'ils reviennent, je crois. Et comme ça, on pourra recommencer le prochain live sur ce jeu si jamais ça vous intéressait. En repartant de là. Bim. Toi, il te faut quoi? Il te faut dormir. Donc tu vas dormir. En tout cas, c'est vraiment un super jeu. Franchement, je l'ai découvert sur YouTube par, ben, par le grenier. Ouais, par le joueur du grenier. Et je cherchais un jeu comme ça, vu que j'avais beaucoup aimé This War of Mine, mais que j'avais plus ou moins terminé le jeu déjà plusieurs fois. Non, j'ai pas reçu ton message, Crâne.
Ton dernier message, c'est j'ai été déco, j'ai raté quoi? Hop là, on va voir un petit peu ce que tu as en échange. Anti-radiation et ça, ok. Ça vaut 40 et ça vaut 4. J'ai 25 pour ça, ou à la limite. Ça, et je prends ça à la place. Et tant pis pour l'anti-radiation, j'en ai plein. Un cambriolage moi-même, lol. Comment tu me donnes pas envie de te refaire des échanges par la prochaine fois, quoi. Cet endroit est un véritable enfer, mais il est toujours agréable de voir une personne avec le sourire. Nous ne savons pas si les personnes que nous avons rencontrées étaient un médecin, mais s'il y avait ce qu'il fallait. Même si, hein. Par exemple, nous pouvons empêcher la maladie provoquée par les rayons en prenant des comprimés de prévention. C'est bon à savoir. Super intéressant. Ouh, 5 comme ça direct. Je suis refait, c'est bon. J'aime pas cette expression. Ouais. Oh putain. Direct. Voilà. Livre. Non, c'est le seau qu'il faut que je dégage pour que je prenne un peu plus de bouffe. De l'eau, j'en ai rien à foutre aussi pour le moment. J'hésite à dégager le clou du spectacle. Non, c'était quoi? C'était pourri. Je me. Ouais. Et je comprends pas, a priori, Twitch a pas mal de problèmes sur des pare-feux ou des conneries. A priori, il y aurait. J'ai vu ça sur un live de je sais plus qui d'ailleurs. Je crois que c'est As de Pique. Comme quoi, il y aurait une technique, un rajout à faire à Chrome pour que le live soit plus stable. Je sais pas ce que tu utilises comme fournisseur, comme truc. Et ça marcherait pour ceux qui sont chez Orange, parce que souvent, c'est ceux qui sont chez Orange qui ont des problèmes. Ou bah, pour ceux qui sont pas en France, mais pour un opérateur lié à Orange, en fait. Je sais pas quoi prendre, parce qu'après tout, les piles, j'en vais en avoir besoin, mais. T'as rajouté l'heure ou pas? Parce que je crois que la dernière fois, si c'est toi qui as posté, il n'y avait que le jour, mercredi et samedi, mais je me rappelle pas de l'heure si tu l'as mise. Au pire, tu le reposteras sur. Ah, c'est ta coquille merdique. Bon, ça n'empêche que je sais pas quoi jeter pour prendre la pile, mais bon, la pile après tout, il y en a qu'une, donc on laisse. Hop là. Continuer, on va reprendre un peu ça. Prendre la combinaison, donc tu t'arrêtes de dormir, relever le piège. Reposer la combinaison. Dormir. Voilà. Ah. A priori, ça c'est parce que je suis pas encore partenaire. A priori, c'est parce que je suis pas encore partenaire Twitch, de ce qu'on m'a expliqué pour changer la qualité du live. Je sais pas. Après, je connais pas assez Twitch en fait. J'ai débuté il y a un mois et demi, tranquillement, donc je peux pas dire en fait ce qui est possible ou pas, si c'est simple ou pas. Utiliser les toilettes, prendre une douche, et après il ira boire et manger. Ah putain. Liaz a été empoisonné par l'événement. Bah oui, je n'avais pas mis de. Et comme je dis, hein, quand ils vont revenir, je vais m'arrêter. Donc ça tombe bien. En plus, il est 20 h pile.
Mais bon, voilà, après, je sais pas, après je te dis, je débute. À la limite, le cuir, je vais le laisser parce que les disques, c'est trop important et que je viens de récupérer pas mal de cuir d'un coup. Je vais te faire aller boire de l'eau. Allez, aux chiottes derrière. Ah putain, le lapin qui se fait avoir direct derrière. Chier. Continuer. On va reprendre un peu ça. Prendre la combinaison. Donc tu t'arrêtes de dormir. Relever le piège. Reposer la combinaison. Dormir. Voilà. Ah, a priori, ça c'est parce que je suis pas encore partenaire. A priori, c'est parce que je suis pas encore partenaire Twitch, de ce qu'on m'a expliqué pour changer la qualité du live. Je sais pas. Après, je connais pas assez Twitch en fait. J'ai débuté il y a ça, un mois et demi, tranquillement. Donc, je peux pas dire en fait ce qui est possible ou pas, si c'est simple ou pas. Utiliser les toilettes. Prendre une douche et après il ira boire et manger. Ah putain. Liaz a été empoisonné par les raidements. Bah oui, je n'avais pas mis de. Et comme je dis, hein, quand ils vont revenir, je vais m'arrêter. Donc ça tombe bien. En plus, il est 20h pile. Mais bon, voilà, après, je sais pas. Après, je te dis, je débute. Donc je peux pas non plus trop t'aider. C'est dommage que tu aies une connexion aussi pourrie. De toute façon, c'est dommage pour tout le monde. Hein. En général. C'est chiant, les connexions pourries. Et bim! Et bim! C'est cool. C'est cool. C'est très cool. Alors. Toi, tu vas prendre. Un anti radiation. Bon, enfin bref, moi je vais m'arrêter là. Il est 20h pile, comme j'avais annoncé. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à follow pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Bah, après, il y aura aussi pour ceux qui seront sur la rediff YouTube à commenter, à liker, à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, comme d'hab, moi je vous souhaite un bon tout. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement. Et puis, si vous voulez être tenu au courant, hein, comme je dis, n'hésitez pas à Facebook, Twitter, tout ça, tout ça. Allez, ciao tout le monde!